Les amis, ce soir, le début d'une nouvelle aventure sur GTRP. Il y a du monde, il y a Amine, il y a Inox, il y a Bouzy, enfin bref, il y a beaucoup de monde, on peut pas tous les citer. En fait, moi j'ai jamais fait de GTRP, donc déjà je vais découvrir GTRP. Il y a moyen que je sois un peu perdu au début, je vais essayer de faire de mon mieux, de faire attention, de vite comprendre et tout, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Je tiens à préciser, les amis, imaginez, on est sur GTRP, il y a une embrouille dans l'école entre moi et un autre streamer. Croyez pas qu'on est vraiment dans une embrouille, c'est du RP. On se met dans un rôle à partir du moment où on lance le jeu. On est dans un rôle jusqu'à la fin. Sachez que j'ai créé mon personnage. Il a à peu près la même veste que moi. Il s'appelle Bobby Junior. Vous avez là, petite présentation de mon personnage. Il a 17 ans. Il est né le 4 juillet. En termes de d'attitude, etc., je vais pas partir dans un personnage trop compliqué. Je vais jouer quasiment comme si c'était moi, entre guillemets. Je vais peut-être un peu accentuer des traits. Je sais pas, peut-être je vais être super relou. Mon personnage, pour vous le présenter, c'est un peu... J'ai envie d'être le boss de la cour, mais je suis merdique. Oh, les amis, Bobby Junior. Voilà mon personnage, les gars. Est-ce que je suis pas BG? Attends, mais c'est qui, lui? Il est au lycée. Ça, c'est sûr, c'est Bouzy. Mais... Wesh, mais attends, mais il y a des gens, ils sont en train... Oh, mais par contre, les filles, faut aller se changer dans le vestiaire, hein. Après, ça me dérange pas, mais... Je me mets dans le personnage, les gars, je me mets dans le personnage. Ouais, les mecs, ça va? Ouais, non, moi, ça va pas, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, gamin? Le mec à ma droite, il a une sale gueule. Ah, d'accord. Et toi, mec, t'es charismatique. Comment ça? Qui ça, moi? Ouais, t'es charismatique. T'es en train de dire que c'est Caris, juste parce que c'est un Renoir comme Caris, c'est ça? Mais toi, t'es... Non, mais frère, t'es... Ah, le raccourci, mais non, mais toi, t'es con. Mais c'est lui, il fait un raccourci. Charismatique, gros, tu connais pas le mot? Eh, je suis à l'école pour apprendre, moi. Sous prétexte que je suis rebeu, je dois tout savoir dès le début. Et pas toi, c'est ça. Donc mais, je suis inférieur à toi. C'est mais ça que t'es en train de dire. Mais t'es fou. Je crois que t'as un problème de susceptibilité. Toi et moi, on va soit être pire ennemi, soit meilleur ami, sache-le. Bah pour l'instant, gros, j'ai pas envie d'être ton pote. On verra dans le temps. On verra. Bon, ça veut rien dire. Quoi? T'es con, quoi? Wesh, c'est quoi ces bruits là? Venez, mon dieu! Wesh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais les gars, venez pas! Oh non! Oh non! Non, 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 non! C'est bon! Wesh, y'a un caméraman! Mais wesh! Vous êtes journaliste, monsieur? Je suis prof de langue, mais je suis également polyvalent. Pourquoi vous parlez comme la voix off de Spider-Man? Je m'appelle Peter Parker. Les portes sont ouvertes, chers élèves! Rendez-vous tous dans les bus, s'il vous plaît! On va à l'école! Wesh, je suis allé chercher l'air. Oh, y'a les bus, y'a les bus! Mais s'ouvre pas cette porte. Wesh! Attends! Mais t'as pété les plombs, toi! Je me suis trompé! Mais vous avez un problème, vous! Touche pas Francis, toi! Excuse! Comment on rentre? Je dépêche, allez, j'ai pas que ça à faire là! Allez, les gars! Wesh, mais il a pété les plombs, votre pote! Oh les gars, la school RP commence! C'est parti! Wesh! Mais attends, on est dans le vrai jeu, j'ai dit! Oh! Madame, on a oublié quelqu'un! Champignon! Wow, il s'est passé quoi, les gars? Non, mais c'est pas possible. Toujours les femmes. Oh, le chat! Allez, on pousse le bus! On vous suit, madame! 1 km à pied! Allez, on reste groupé! Ouais, c'est une prof groupe. Je vais embarquer votre surveillante, vous allez voir, on va l'interroger. Oui, bah interrogez-moi quand les élèves seront en sécurité. Là, c'est pas normal qu'ils soient sur la route, d'accord? C'est pas normal de garer son véhicule comme ça. Merci, madame la surveillante! Là, c'est un homme qui conduit! Allez, remontez tous dans le bus, s'il vous plaît! Mais c'est pas vrai, c'est une blague, le chat, calmez-vous! Ah, c'est ça, l'école! Soyez calme, par pitié, ne criez pas! Waouh! On descend! Si les deux font, les gars! Ah, c'est les profs là qui parlent! Oh, les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est la rentrée là, c'est trop bien! C'est comment ici, ça se passe? Tu t'appelles comment, Bobby, c'est ça? Moi, je m'appelle Bobby, ouais, et toi? Ça va, Rokmout? Moi, c'est Hamid. Ça va ou quoi, le requin? Hamid! Ça va, le requin? Ouais, c'est ça. Hamid! Mais je suis pas roux, les gars! Ah bon? T'es roux? Ah non, t'es blond vénitien! Enfin, ouais, je suis... Non, mais... Je suis châtain blond vénitien, ouais. Ouais, là, c'est parce qu'on est au soleil, ça change. Ouais, ouais, c'est bleu vénitien. En vrai, elles sont belles, mes chaussures, quand même, les gars, non? Moi, qui veut mes claquettes, les gars? Qui veut mes claquettes? Je les échange. Non, c'est bon, tranquille. Non. Ouais, en vrai, tranquille. Et en plus, l'avantage, c'est que tu puisses jamais des pieds. Bah ouais, j'avoue, ils sont toujours à l'air. En vrai, c'est un avantage. En tout cas, les gars, si vous avez besoin de protection dans l'école, moi, je suis là, moi, je cogne. T'as pas marre de ton nom? Moi, c'est Hamid. Ah, Pyramide. Ah, voilà. Non, Hamid. Pyramide. En fait, je t'explique, elle a
En fait, elle a notre âge, mais dans sa tête, elle en a peut-être 4 ans, tu vois. Pour ça, elle trouve des mots. Comment ça? Ah ouais. C'est en train d'être triste, là. Ah, là, une maladie, genre. Tu te moques de moi. Ouais, je pense. Eh, l'herbe, la couleur, c'est vert. Et le ciel, c'est bleu. Le ciel, c'est vert. On va voir si elle est influençable. Léo, tu peux me rendre un service? Et si tu le fais, tu vas être la meilleure du monde. Mais attends, tu profites d'elle, là. Faut que tu cours et que t'ailles mettre une patate à Buzz l'éclair là-bas et tu reviens après. Buzz l'éclair? Ah ouais, faut que t'ailles vers ça. Mais attends. Mais t'es... Ça doit être un riche. Ça doit être... Non, arrête. Ami. Non, 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 non. Eh, frérot, frérot, tu fais quoi? Tu fais quoi? Eh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Eh, touche pas d'elle, touche pas d'elle, touche pas à elle. Il s'appelle Buzz l'éclair. Elle m'a frappé. Mais elle a pas fait exprès, frérot. Personne n'a vu avec ton gros tarpé là. Wow. Tu es riche avec son armure. Eh, mais t'as vraiment un vrai boule, fais voir. Tu peux m'offrir des saucisses. Vrai boule, hein. Léo, t'es la meilleure du monde, sache-le. Pourquoi t'es déguisé? Tu t'appelles, Léo? Ouais, c'est un ami. Non, Léo, je crois que Hamid, il veut pas te le dire, mais je crois qu'il est amoureux de toi. Non. Ouais. Mon âme, apparemment. Non, je crois qu'il veut plus. Mais non, moi, je veux gérer la surveillante, moi, pas elle. Et pourquoi t'as des yeux comme ça, toi? Ouais. Mais attends, t'es un élève, toi? Moi? Oui, je suis un élève, oui. T'as quel âge? 17 ans, bientôt 20... Tu fumes? Après 10... Oui. Quoi? Non. j'ai oublié mes chaussures, je suis venu en slip, alors j'ai mis le pantalon de ma sœur. Ah, c'est vrai qu'il va court un peu là. Ah ouais, un peu court. C'est pour ça que je m'appelle Bobby. Aussi. Mais ouais, attends, mais ouais, tu t'appelles Bobby toi aussi? Ouais, mais ça se trouve, t'es peut-être de ma famille, pour ça qu'on a le même nom. Non, mais non, ça veut rien dire, le prénom. C'est quoi ton nom de famille? C'est pas Junior. C'est l'univers. L'univers? L'univers, ouais. Eh, Hamid. Pas des deux. S'il te plaît, viens, on va parler à la surveillante. Il doit être japonais, c'est écrit Nagasaki. C'est la brune là-bas avec son chino beige, là, un peu, là. Ah ouais, t'as bien analysé le pantalon. Merde, je dirais que son t-shirt blanc, pardon. J'aimerais grave la gérer, parce que Léo, ça, si je la date, on va manger nos crottes de nez avec elle. Mais frérot, par contre, t'es un bâtard, tu l'as envoyé au charbon, quand même, là. Ouais, mais t'as vu ce qu'on a fait? Ça montre qu'elle est influençable. Ça veut dire que si on fait un coup plus tard dans le lycée, toi et moi, on peut se servir d'elle comme... Non, arrête, on peut pas faire ça, gros. Si, mais après, on la récompensera avec des bonbons, des trucs comme ça. Juste, elle saura pas qu'elle est en train de faire du jeune mal. Jeune homme. Dit comme ça, c'est pas mal, mais... Oh, c'est qui lui? Je crois que c'est le directeur du... Ah non. Je ne suis pas directeur. Le directeur ne va pas tarder. D'accord, Jamy. Juste, celui qui sera trop dissipé aura moins 10 points sur son examen de théâtre final. Oh. Moins 10 points, c'est sur combien la moyenne? Oh là là, c'est sur moins 10 points. Ah, un truc de ouf. Ah oui, ah, c'est sur 10. Excusez-moi, mais c'est des cigarettes que vous avez là sur votre casque? Clairement, je les balance. Non, cigarettes en chocolat. Non, c'est en chocolat. Ah, vas-y, mange-en une pour voir. Mange-en une. Ok, je vais les manger, Ok, je vais les manger. Au pire, donnez à Bachir, il va les manger. On va manger. Oui, je mange les. C'est qui Bachir? Vas-y, Bachir, essaye. Wesh! Il se passe quoi? Non mais c'est quoi ce lycée de fou là? Eh, faites ça dans les toilettes les gars au moins. Eh mais je sais pas, il va même pas demander le bâtard, il a pris ma tête. Je veux rentrer en cours là, on fait quoi? Oh, la voiture qui arrive derrière mon pote. Eh les gars, t'es zélus. Oui, je suis le directeur. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur directeur. Qu'est-ce que vous êtes beau bordel? Bon, c'est bien, vous aimez bien l'école. Directeur, on va retrouver le... Ah oui. C'est bon, non. Oui, monsieur directeur. On va se rendre à l'amphithéâtre, on va faire une réunion tous ensemble. Est-ce que vous avez fait appel les surveillants? On allait là, on était sur le... Il aboie quand il parle le prof, c'est une dinguerie. Ouais, mais il y a de l'orage carrément. Tu crois qu'on peut faire électrocuter? Ah, non, t'inquiète, il faut juste pas rester à côté des arbres. Pas le concierge. À côté des arabes, mais lui il est raciste. Des arbres. Eh mais, Ami, t'as pété des plombs. Ah ouais. Ah ouais, les gars, on est dans... Mais attends, c'est plus là. C'est qui le raciste ici? Mais c'est pas moi qui dis des trucs racistes. Qui est le raciste là, ici là? Il y a aucun raciste, frérot. T'aimes bien le thé à la menthe et le couscous? Mais alors pas le thé à la menthe, mais le couscous, j'adore. T'es raciste? Ah ouais. Mais vous êtes fous quoi? Et toi, tu vas voir toi. Dans les toilettes, après on va t'attraper. Mais attendez les gars, vous avez mal compris ce que je voulais vous dire. Eh, Ami, frérot. C'est pas toi qui as sucé l'autre tout à l'heure là?
Ouais, Bobby. Voilà. Tu veux me créer des problèmes, ça, toi. Gros, j'ai un problème avec ça, j'aime trop ça, gros, c'est un truc de... Et t'aimes trop quoi? J'aime trop les gens, j'aime profiter. Dès que je... Attends, mais c'est quoi ça? Promotion Karcher. Ah, mais c'est les anciens directeurs. Promotion 49.3, ok. Oh, il y a David qui était dans notre école, incroyable. Inox Schlag, bac STMG après 8 tentatives. Ah ouais. Brad Pitt et Elsa Bo... Attends, il y avait Brad Pitt avant dans l'école? Mais ouais, c'est monsieur et madame 2022. Ah ouais. C'est plus Brad Pitt que Brad Pitt, mais tranquille. T'as dit quoi, le capote? Toi, tu penses qu'à la butte, toi. Et t'as vu sa bouche? Ouais, il se passe quoi? Il se passe... Wow, 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 wow. Elle touche pas à mille, toi. Touche pas. Oh, wesh, wesh. Il se passe quoi? Arrêtez ça, arrêtez ça, là. Faites quoi? Wesh. Vous avez fait quoi? Il a rien fait. Il a rien fait, vous êtes sérieux ou quoi? Surveillant. Tous à l'intérieur. C'est compliqué, David. Wesh, Amine, par contre, c'est quoi ton nom? Je l'ai bien retenu. Ouais, tu peux venir, ouais, bien. Je sais pas où m'asseoir. Vas-y, Michel, ça commence à me casser les couilles, là. Ouais, je commence à soi. S'asseoir, chill. J'aurais la même chose que d'habitude. Ah ouais, non. Là, il y a un problème. Il arrive même pas à s'asseoir sur une chaise. Ah, si, tiens. Silence, s'il vous plaît. Oh, mais j'ai créé une chaise. Bon, le proviseur parle, les plus vieux, mais... Ah ouais. Vous approchez pas d'elle. Pourquoi elle... Ah ouais, c'est pour ça que je voulais pas m'asseoir. Elle m'a dit de la dinguerie, je vous dis même pas, mais elle est raciste, vous approchez pas d'elle. Bah, c'est une asiate, c'est pas étonnant. Mais... Oh wesh, c'est raciste, hein. Mais attendez, je rêve ou pour contrer la racisme, c'est raciste. Taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous, stop. Vous allez apprendre à devenir des hommes et des femmes. Apprendre à travailler, vous allez apprendre à faire plein de choses qui vont vous permettre de réussir dans la vie, d'accord? Non, attends, je peux pas tirer dessus, non, ça y est, c'est trop là. Je buzz l'éclair, il se passe quoi sous ta combi là? Vu l'odeur, il a chier. Ah, il est horrible. Il attrape l'élève qui s'amuse à faire ça, c'est exclusion définitive sur le champ. Donc on va se ressaisir, vous allez nous laisser vous faire la présentation tranquillement, c'est clair? Oui, monsieur le proviseur. Oui, chef. D'ailleurs, j'ai rajouté une couche. C'est que le harcèlement sera pas toléré dans cette école et que également les actes de violence ne seront pas tolérés. Que vos propos soient appliqués dans cette école, je vais tout faire pour qu'il n'y ait aucun harcèlement, aucun daron ne sera brûlé, personne ne sera frappé. Comptez sur moi, monsieur le proviseur. Hourra ! 1, 2, 3. On va faire une petite sortie scolaire pour vous familiariser, pour commencer à vous entendre entre vous. Merci, monsieur le proviseur. Monsieur le directeur, je voulais vous demander, monsieur, la viande à la cantine, elle est halal ou c'est comment? C'est une très bonne question. Oui, c'est important. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, ouais. Pour ce qui est de la viande, sachez que la viande dite halal est actuellement pas prescrite dans notre école. Oh. Néanmoins, il est possible d'en faire la demande auprès du bureau des surveillants qui feront remonter l'information auprès du corps enseignant et de là, voilà, c'est de moi et on verra ce qu'on peut faire. Appel des élèves un à un, présentation des élèves un à un et suite à cela, visite de l'école. Ensuite, sortie scolaire. Après la sortie scolaire, les dortoirs. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Allez, présentez-vous rapidement là. Moi, c'est Romuald et... Je suis là pour réussir mon année. Je suis jamais venu à l'université, c'est ma première fois et j'espère que je vais me faire plein de copains et je vous kiffe tous déjà. Vous avez l'air d'être vraiment des bons avec moi et tout. Mais pourquoi il parle comme ça? Bonjour monsieur le concierge. Les surveillants vont vous demander de vous donner un questionnaire que vous devrez remplir, votre questionnaire de rentrée. Il faut pas que le directeur me voit en train de... Attendez, est-ce que vous pouvez mettre un coup de brosse à ça? Bougez pas. Monsieur le concierge... Là-bas, faut aller là-bas. Mais c'est ici ou pas, monsieur? Oh là! Mais Romuald, t'as des envies bizarres, frère. J'aille me changer là, faut que j'aille me changer. Ça devant le proviseur. Je vais vous distribuer un document, non, d'accord? Et vous faites pas de bêtises. Je vois dépasser. Et toi, d'honneur, tu vas te blesser. Je suis désolé. Est-ce que putain, on va se casser. Bah, tu t'appelles comment? Bobby Junior. Tiens, Bobby, c'est pour toi le questionnaire. Merci beaucoup. Et c'est quoi le questionnaire il nous a donné là? Réponds à la surveillance. Eh, Bobby. Ouais, moi non plus, j'arrive. Viens avec moi, viens. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tout compris de tout à l'heure quand ils ont dit t'es raciste, toi qui dis non, moi qui dis. J'ai tout compris depuis le début. Mais non, mais moi je suis pas raciste. Attends, viens. Monsieur les professeurs. C'est une stratégie, Bobby. Toi et moi, on est pareil, on est deux gros racistes. Ah, ben, le stylo, mais... Comment ça? T'es d'accord avec moi, y a pas assez d'Américains dans cette école, Bobby. Non. Attends, mais on est deux gros racistes. Mais il faut que ça reste un secret entre nous. On va établir une stratégie. Bonjour. On n'est pas raciste, on n'est pas raciste. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux? Mais arrête de dire ça, mais je vais péter les... Arrête de dire ça. Tenez-vous à carreau, je dévoile tout aux autres élèves. Mais on n'est pas... Mais... C'est fait avoir, Bobby. Écoutez-moi, regardez. Ouais, toi aussi t'es raciste. Oh non. Ouais, moi ça m'arrive des fois. Moi, ça faut pas le dire, elle chute, putain. Ah, toi, ça se voit, t'es raciste après deux bonnes bières. Ouh là, moi je suis au whisky, je vais me rayer au pastis. Ah, pardon. Bobby, je vais te donner une émission, tu dois me ramener un 102. Un quoi?
Un 102. Un 102? C'est deux doses de 51. Ah, d'accord, Bobby, tu me ramènes ça, sinon je balance à tout le monde que t'es raciste. Quoi? Attends, mais je trouve ça où? Mais je suis pas raciste en plus. Tu te débrouilles. Je peux l'aider ou pas? À la cantine. Ouais, c'est votre mission. Aide-moi, s'il te plaît. Eh, mais vous m'avez embarqué dans quoi là? Comment ça va, madame? Mon ami raciste. Écoutez, ça va. Mais tu m'as. Mais je suis pas. Mais arrête de dire ça, mais. Attends, viens, on va s'isoler tous les deux là. Eh, tu sais quoi ton prénom? Moi, c'est Clitus, oh. Clitus? Eh, mais Clitus, je crois qu'on s'est mal compris, gros. Moi. Ils mettent l'huile d'olive sur ses sourcils, les bâtis. C'est normal ça? Non. Non, alors là, t'as mal compris. Moi, on m'a insulté de raciste. Je suis pas raciste, frère. Et si tu trouves la cantine, viens me chercher, ok? Vas-y, même toi. Elle est là. Mais elle est en face de vous. Allez, on va vous donner un indice. Ah ouais, la cantine. J'aurais l'impression d'avoir une. On peut y aller? Le Panama, non. Elle est verrouillée pour le moment. Ah, on peut pas y aller pour vous accueillir. Ce n'est pas loin. D'accord. Ah, d'accord. Madame Marie-Jeanne, ce sera plus tard. D'accord, pas de problème. La prof d'art plastique, débat parallèle. Le truc, c'est que moi, je suis plus attiré par les vaches. Mais, j'avoue que s'il y a bien une femme qui m'attire dans cette école, ça, débat parallèle, Ligue des Champions et minimum final. On est d'accord sur un point en tout cas. Je vais faire une crise d'hypoglycémie, comme ça il me donne du sucre à la cantine et je vole les deux. Ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais t'es un génie! Tu fais ça après? Ouais, dès qu'on finit les questionnaires. S'il vous plaît, rapprochez-vous! Nom et prénom: John Cena. Junior Bobby, professeur de sport. Voilà les gars, j'aimerais bien être prof de sport. Ça, c'est bon, j'ai rempli le questionnaire. Oh, c'est l'heure de graille. Oh wesh, y'a des burgers à la cantine. Mais attends, on est à la cantine, on est au quick là. Ça va, Clitus? Viens. Moi j'ai pas de burger. Et moi j'ai pas mon menu. Écoute, pendant qu'ils sont occupés à faire la queue, c'est pas grave, je te donne le mien. Tu vois derrière moi, y'a les bouteilles. Je te couvre. Tu ouvres le frigo, tu récupères les bouteilles, ok? Tu veux que je les prenne moi? Ouais, je vais faire diversion. Vas-y, mais couvre-moi. Vas-y. Avec le petit champagne qui va avec. Merci, monsieur le professeur. Hey, comment ça va par ici? Repas professeur. Vous allez bien? Merci beaucoup. Hey, c'est quoi là le truc vert? C'est de la salade? Des épinards. Ah ouais, mince, non. Nourrissante. Vous avez des menus vegan ou pas? Ah ouais, c'est des épinards. La velouté de tomate. C'est bon, t'as. Je les ai dans ma salopette, c'est bon. Tu les as? Oh là là. Je les ai. Et top là, comment on est bon? Oh pardon. Hop. Yes. Oh wow. Ouais, c'est notre check. C'est notre check, ouais. Ok. Quand je t'en donne une, j'en garde une, comme ça on lui donne à deux. Si merde. Ouais, c'est bon, il a dit qu'il garderait notre secret. J'ai une fille. Qui? Tu lui as donné? Ouais, attends, mais moi je lui ai pas donné le reste. Comment ça, t'as une fille, t'as quel âge? Mais t'inquiète, j'ai dit que je donnais de ta part. Ah, tu lui as donné ma bouteille? Ouais, j'ai donné ta bouteille aussi. Ok, bon bah parfait. Du coup, il dit rien. Parfait. Vas-y, on se retrouve après. Vas-y, on se retrouve après. Eh, tu t'as enfin un billet, toi? Ouais. T'as enfin une tenue normale? Bah oui, je suis en détente. Eh, j'ai une question. Quoi? Tu kiffes les mecs? Dimanche. Ouais. Non. Tu kiffes pas les mecs? Bah non, je regarde les femmes, c'est grave. Ok. Bah en tout cas, t'avais un sacré boule. Merci. Sur mon téléphone, je suis allé sur les femmes. Eh, je peux m'asseoir à côté de vous? Assieds-toi, Bobby. Ouais. Les filles, je vous présente mon ami qui est pas raciste, Bobby. Ouais. Coucou, Bobby. Ouais, c'est moi. Je sais pas comment. Ah, toucher Al, plus viser la chaise. Ah, d'accord. Mais le profil, il a mis du. Oh là mais tu fais quoi? Attends, mais décale, bouge pas. Pardon, attends. Ah, merci. C'est comme ça que tu dragues, Bobby. Non, mais c'est. En fait, j'ai trébuché, je suis désolé. Vous deux, arrêtez de traîner ensemble déjà. Vous vous êtes sucés déjà entre vous là. Wesh. Allez, les gars, je vais manger mon chili con carne. Ah ouais, jusqu'à la nuit, jusqu'au dos. Ah, la bouillie, allez. C'est la bouillie, quoi. Je vais vous dire après dans les dortoirs. Il y aura une fête, on va organiser une fête. Ah, c'est vrai, Ouais, je viendrai vous chercher. Dès qu'on ira vers les trottoirs. Coucou, Bachir. Coucou. Toujours qu'un sourcil. Après, tu viens? Ouais, c'est le sourcil toi-même. Ah, ok, c'est le sourcil moi-même. Non, Bachir, on fait pas de fête après. Ah, mais y'a que nous qui sommes invités? Non, je vais inviter tout le monde. Mais pas Bachir. Oui. Bachir, il est invité, Bachir. Tu veux venir, Bachir? Ah, oui, mais faut dire en ce temps. Bachir, attends, tu veux venir? Clitus, ça t'embête si Bachir y vient? Bah non, ça m'embête pas. Ah ok. Non, c'est une fête. En fait, regarde, plus proches sont tes ennemis, mieux tu peux les surveiller. C'est un mariage. Ah ouais, du coup, s'il vient, ça t'arrange. Et oui, imagine, dans l'escalier, on met un pied, hop, il trébuche. Hop, plus de Bachir.
Mais non, mais de l'alcool. Avec moi. Ah, Bobby. Ok. Ok, hey, clitoris, clitus. Ouais, ouais. Fais quand même, sois respectueux avec tout le monde. Ah ouais? Je pense que c'est quand même important parce qu'en vrai, t'as pas pris le temps de rencontrer tout le monde, etc. Et tu peux être surpris par les gens. Ah, et moi, mon papa, il dit pas ça. Ouais, mais. Il dit l'Amérique, c'est aux Américains. Mais t'as quel. Ok, mais t'as quel âge? L'Amérique, c'est les voleurs. Oh. Quoi? Quoi? Ouais. C'est. L'Amérique, ils ont volé la... Non, mais... C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Ils ont volé quoi? Vas-y. L'Amérique, ça s'appelait Tunisie. Ils ont renommé Amérique. Oh, non, ça s'est jamais... Bobby. Mais ça s'est jamais appelé Tunisie. Non, mais il y a une mauvaise compréhension entre vous deux, les gars. Je pense qu'il faut repartir... Bah non, il va m'apprendre à faire le monosourcil. Oui, c'est avec Zidzitone, l'huile d'olive. Bon, quoi? C'est avec de l'huile d'olive? Oui. Mais t'avais raison. Mais je t'ai dit quoi? Mais Tunisie, t'avais raison. Tu veux participer à... Un sourcil? C'est la classe, le style. Non, moi j'aime bien mes sourcils en vrai. C'est vrai que Bashi il est beau gosse comme ça. Ouais, beau gosse. Je pense qu'à la soirée il va gérer tout le monde. D'ailleurs, Bobby, il y a une meuf qui te kiffe. Ah ouais? Ouais, elle m'a dit, c'est Suzy. C'est le meuf de moi de jeudi, ça, Suzy. C'est ta meuf le jeudi? Oui, Suzy c'est jeudi. Quoi? Là c'est mardi. Oui. Ouah, Bashi, mais c'est parce qu'il a qu'un sourcil, frère. Wesh! Bah, mais peux le qu'est-ce faire qui se passe? Non, pas vous, pas je vous. Je vais faire le premier soin. Quoi? Mais qu'est-ce que. Je suis docteur des sciences, je connais les premiers soins. Non, pas vous. Non, monsieur, vous allez pas faire un bouche à bouche. Monsieur, faut que vous lui fassiez du bouche à bouche, je crois. C'est bizarre, elle est par terre, mais elle parle quand même. Bouche à bouche? Ouais, faut faire un bouche à bouche. Je fais les premiers soins. C'est vous, laissez-la respirer. Ah, Amine, faut faire un bouche à bouche, Amine. Je sais ce que. Nous, on sait pas faire, je sais pas faire, moi. Amine, je me sens pas bien, ça vous manque. Oh. Oh là là. Reculez, oh. Faites un peu de place. Si ouais, reculez un peu, voilà. Laissez-lui un peu d'air. Laissez-lui un peu d'air. Voilà, ça me salait. Oh. Voilà. Ah, allez, oh, Amine, quel héros. Faites attention maintenant. Ah, c'est mon héros. S'il vous plaît, il faut aller devant. Il y a le directeur qui va venir. Incroyable. Merci aussi, Amine, pour les 50 euros la dernière fois. Pas de soucis, merci, BG. Les gars, je crois qu'Amine, ce soir, il va pas être tout seul. Eh, Bobby, viens, faut que je te montre un truc. Va voir les bottes de la cuisinière. Pourquoi? Il y a que du sang humain dessus, on dirait il y a un trafic d'élèves ici dans ce lycée. Regarde. Arrête de mentir. Je te jure, va voir ces bottes. Oui. Mais non, mais à ses pieds, frère. Oui. Oui. Allez, dépêchez-vous là, prenez le rab et dans la bûche. Attends, mais. C'est du sang. T'as vu? Eh. Il y a un trafic d'humains par ici. Il y a des étudiants qui ont été tués, mais il faut qu'on mène l'enquête. Mais... Il se passe des trucs bressons dans ce lycée. Ça finit toujours par partir en couille au bout d'un moment. Et en plus, elle est chelou, la cuisinière, elle bouge pas, genre. Elle est chelou, on dirait vraiment une meurtrière. Fais attention à toi dans ce lycée, il peut tout arriver, Bobby. Eh, Abid, arrête de doubler. C'est quoi ton commandement? Pardon, vas-y, passe devant. Ménèse, ouais. Mais toi, tu parles que en chuchotant. Tu parles normal, des fois. Ça chuchote là ou c'est quoi? Oh, tu peux crier aussi? Ouais, eh, regarde ce que je veux dire à Kaina. Regarde bien. Barbie, bonjour. Moi, par contre, je veux bien voir ça. Vas-y, je vais la gérer devant tes yeux. Oh, tu fais ça, gros. Eh, tu fais ça, je fais tout ce que tu veux. Le bureau des surveillants, c'est pas un bureau pour discuter, s'il vous plaît, par pitié. Pardon. Pardon, Kaina, pardon. Y'a pas marqué le bureau, tu gueules ta mère! Mais arrête de crier comme ça, toi. Kaina, c'est un malentendu. Moi, on m'a dit t'aimais les voix graves et qu'on parle mal. Et alors, même si j'aime ça, c'est quoi le problème? Bah, t'as aimé alors, du coup? Franchement, c'est la dernière fois. J'ai pas envie de devenir méchante avec vous, mais je vais devoir le faire. Hein. J'ai pas le choix. Eh les gars, mis dans la merde avec Kaina. Elle mérite bien ça. Mais pourquoi? T'as fait quoi? Pourquoi? Tu m'as mis dans la merde, sale chien. Arrêtez! Ferme-la toi aussi, ta gueule! Wesh, wesh! Touche pas à lui! Mais non, il m'énerve à pleurer tout le temps là! Eh, il a rien fait, frère! Wesh, Amine! Attends, mais c'est toi qui lui as dit à l'aimer les voix graves et qu'on l'insulte? Mais non, j'ai jamais dit ça! Mais t'as pas compris quand je t'ai parlé! Tu m'as dit quoi alors? Viens, t'as mal compris, viens! Je lui ai dit, faut qu'il y aille et qu'il lui parle sur un ton un peu! Mais. Faut qu'il la tue. Mais hé, c'est simple, je lui ai dit, je vais te niquer ta grand-mère. Mais oh non. Faut que tu lui parles sur un ton de gangster, frère. Genre, en gros, c'est ça qu'elle aime. Oh. J'ai tellement fait les meufs que ça m'a saoulé. Ouais, mais mon pote va aller se coucher, il est fatigué. Écoute-moi, vas-y, tranquille, on va la visite. Tu la fous de la sac en épaule, tu la mets dans les toilettes et tu fais tes bails. Wesh, non, mais non. T'es un agresseur sexuel, toi. Ouais, non, mais wesh. Je dois ramener dans les toilettes, je vais faire mes bails. Oh, wesh! Allez, viens, Johnny. Oh, monsieur le prof. le prof de sport, c'est le meilleur. Non, ça a le pointeur. Mais c'est un malade, ce mec-là. Et moi, les gars, mon rêve plus tard, c'est d'être prof de sport. Toi, t'as. C'est quoi ton casier à toi? Pourquoi tu veux savoir? Non, mais il est où pour savoir comme ça? Bah, il est là, pourquoi?
C'est celui-là. Va faire un massage, ouais. La manicure, voilà. Oui, restaurant. Exactement. Pourquoi? Et sac à main. C'est quoi ton code? En fait, t'as vu, genre. Ah, je vais pas te dire. Ok, viens deux secondes. Matérialiste. Et toi, il est où ton casier? Voilà, quelqu'un avec un pharaon. Là, j'ai un couteau dans ma poche. Ouais. Tu vas me donner ton code ou je te pèse ta mère tout de suite. Tu vas me donner ton code. Donne-moi ton code. Pourquoi moi? Donne-moi ton code ou je t'allume. Je t'allume. Je vais pas me répéter deux fois. C'est 3250. C'est 3250. Ok. Je vais aller vérifier plus tard. Si c'est pas ton code, t'es un homme mort. Tu vas finir la tête dans les toilettes. Tu vas manger ma merde. T'as déjà mangé de la merde? Non, j'ai jamais mangé de la merde. Eh bah, il y a une première fois à tout. Okay, désolé. Ouais. Moi, il y a pas de désolé. Tu sais comment est-ce que je te fais? C'est de la hagra pure et dure. Ouais. Tu peux dire, moi, je suis un hagar, moi. Ouais. Dis-le. Dis, vous êtes un hagar, monsieur. Vas-y, dis-le. Vous êtes un hagar, monsieur. Un hangar? Non, un hagar. Eh, bref, c'est pas grave. Vous êtes un hagar. Je vais t'allumer. 3203, tu m'as dit. Non. 3250. 3250, ok. Ouais. T'as intérêt que c'est le bon code. Là, on va aller à la sortie, on va s'amuser calmement, bonne ambiance. Et tu répètes ça à quelqu'un, ouais. Je t'allume. Ok, désolé. J'ai rien à perdre, moi. Désolé. Ouais, hey, Ratchet et Clank, c'est vraiment un jeu de fou. Ouais. Ratchet ouais. Et Clank. Moi, j'aime bien Fortnite. Faut y aller, Fortnite, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, je monte pas dans le bus où il y a Amine. Hey, faut que je vesquie Amine un max. Ah ouais. Allez, on monte. Allume-le, c'est toi qui aurais dû menacer. Non mais les gars, c'est pas RP. RP, il y a un mec qui me parle comme ça, je ferme ma gueule. Hein. Oh, c'est une place dedans. On arrive à la fête foraine. Ma femme est morte. C'est magnifique. Par un bus. Alors, voilà. On s'en bat les couilles. Quoi? Mais comment ça, on s'en... Mais attends, c'est vraiment vrai, monsieur? Écoutez, les choses arrivent, la vie tourne. On s'en bat les couilles, ta femme, monsieur. On s'en fout. Non mais les gars, c'est méchant. On va retourner à l'école, je vous le dis. Je vais aller danser sur sa tombe. Non. Pardon, c'est des malades. Non mais les gars, c'est des malades. Non mais les gars, c'est Bobby qui a dit ça. C'est Bobby. Quoi? J'ai jamais dit ça. Non monsieur, j'ai jamais dit ça. C'est Bobby. J'ai jamais dit ça. Mais vous savez très bien. Non, arrêtez. J'ai pas dit ça. Assume, Jordan. Bobby, faut t'avouer à demi pardonner, Bobby. Mais j'ai jamais dit ça. Viens, Bobby, viens. Alors comme ça, tu vas danser sur la tombe de ma mère. Mais j'ai jamais. Monsieur, vous avez bien vu que c'était pas ma voix. J'ai pas envie de balancer c'est qui, mais la tête d'homme, que ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Dites-moi c'est qui, et au moins vous serez pas incriminé. Bah ok, bah c'est Hamid. Hamid? Eh ouais, mais hey, dites pas que j'ai dit ça. Ok, très bien. Je vais être dans des problèmes après. Merci Bobby. Bobby! Hamid! Y a Bobby, il m'a dit que c'est toi! Non, arrête! Non, mais il va me balancer, les gars, j'aurais dû fermer ma gueule. Bobby. Quoi? Je suis plus raciste. C'est vrai? Hamid. Oui. T'es plus raciste? Dis-moi. C'est plus compliqué que ça. Ah. Le professeur Albor. Ouais. Il enseignait les forces contre les défenses du mal. Ok. Et ouais, je me suis dit, bah les forces du mal, on les connaît tous. Après, il m'a dit, moi je viens d'un autre pays, pourtant je t'apprends des trucs. Bah oui. Putain, il a raison. Et comme je me suis dit, mais en fait, peut-être que Bobby il a raison et que mon père c'est un connard. Bobby, c'est pas que c'est un connard, mais il est pas assez ouvert d'esprit. Bobby, je vais te demander un service, ok? Ouais. Parce que ça commence. Ah mais on me touchait, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Les glitches, arrête de te mettre dans des états comme ça. Mais t'inquiète pas, gros. Mais t'inquiète pas. Je te demandais. T'es pas raciste. De me rendre plus raciste, s'il te plaît. Tu veux plus être raciste? Oui, je veux plus. Mais être c'est raciste. Bien. Non, déjà je suis fier de toi. C'est bien. Eh, déjà je suis fier de toi. C'est un premier pas. Mais pleure pas. Tu vois, avant tu restais sur tes idées, tu disais que t'avais raison, que tout le monde était raciste. Et là, tu te rends compte que c'est une erreur. Donc déjà c'est bien. Oui, je peux me moucher sur ton gilet. Non, attends, mouche-toi, il y a de l'eau, mouche-toi avec l'eau. Attends, je suis dans ma main. Ah ouais, fais dans ta main, c'est mieux. Pire, tu iras te laver les mains. C'est difficile parce que tu vois, j'ai des réflexes des fois, donc faudra que tu me surveilles, d'accord? Ouais, je vais faire attention, mais... Et moi, je te dois un service en échange. Si t'as un problème avec quelqu'un, je le castagne, d'accord? Parce que dans le Nord, on n'est pas raciste, on castagne aussi. Ah ouais? Ouais. Tu sais bien te battre? Ouais.
Bon allez, on va s'amuser. Ouais, on va s'amuser. Non mais les gars, je peux pas lui dire. Dis-lui. Non les gars, je peux pas lui dire. Je sais pas si c'est vraiment se battre. Elle est là, ton amoureuse. Viens. Quelle amoureuse? Allez-y à deux à l'optotamponneuse. Mais pourquoi? Chacun dans ta petite voiture. Il y a un roller coaster. Mais tu vois, elle veut faire le roller coaster avec toi. Il y a un roller coaster. Quoi? Clitus. Viens. Bon, c'est pas trop mon style. Tu vois, Bobby, je t'aime bien. Je vais être tout à fait honnête avec toi, ok? Ouais. Elle m'a pas dit qu'elle voulait te gérer, mais moi, je trouve que vous allez bien ensemble. Mais j'ai bien vu en plus. Tu lui as dit aller faire des autotamponneuses à deux, elle en avait rien à faire. Tu m'as dit, sois elle plus veut pas me gérer, gérer, c'est simple. Regarde, laisse-moi parler. Tu m'as dit, sois plus ouvert d'esprit. Et bah, toi, ne sois pas raciste des moches. Mais non, c'est pas qu'elle est moche, c'est juste, c'est pas mon style. Je vais pas sortir avec elle. Allez, à date, et si ça marche pas, je te fais plus chier, promis, juré, craché. Mais je vais apprendre à la connaître avec le temps, mais. C'est une pote quoi. Eh hey, déjà toi trouve une meuf et après tu t'occuperas de moi. Ah moi je suis beaucoup trop moche pour trouver une meuf. Mais ça veut rien dire. Je rêve où il y a un mec qui vient tomber des roller coasters là. Non. Oh. Oh. Oh non. Aziz. Mais là tu vois j'ai pas envie de le sauver. Je fais quoi? Mais arrête sauve-le, reprends-toi en main. Okay, je le sauve. C'est un humain comme un autre. Aziz. Jean-Charles! Jean-Charles, ça va? Ouais, ça va. Pour rentrer dans l'attraction, les enfants. On va. Oh! Bah, Francis! Genre, c'est fort bloqué là, hein. À deux doigts, ouais, Francis! On s'embrasser là! Le bisou! Accrochez-vous, les enfants! Le bisou! On s'est pas embrassé, on est juste bloqué! Francis! Autotamponneuse, on y va! Vous la pêche, Francis, hein! Autotamponneuse, on y va! La meuf, tu l'aimes bien? Bah. J'ai bien aimé, ouais, mais... Par contre, elle avait l'air de vouloir vite tracer. Oui, pour ça, faut oublier ce qui s'est passé. Non, mais t'inquiète, avec le temps, peut-être elle va commencer à te kiffer, hein. J'ai le barreau. Quoi? Non, pour si peu, mais... T'as déjà fait l'amour, toi? Oui, quand même. Ah ouais? Moi, j'ai jamais fait, hein. Non, t'as jamais fait? Non, j'ai jamais fait, moi. Jure, la vie de ta mais main. Moi, je suis pas trop intéressé par les meufs pour l'instant. Ah, t'es plus les mecs? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste pour l'instant, c'est des études. Des études avant les meufs? Ouais. Ok. Ah. Il n'y a pas une qui te fait changer d'avis? Non, arrête. Je t'ai vu. Arrête, Francis. Je t'ai vu, Francis. Et le pire, c'est que les gars, ma caméra, pile à ce moment-là, elle a changé de vision. Putain, j'ai le barreau aussi. Non. Attends, faut que j'aille. Attends. Mets ta fesse par-dessus. Ah ouais, attends, bien vu. Attends. Voilà. Mets ton zeb tout droit là pour. Non, arrête. Ah, toi aussi, tu l'as cette technique. On l'a tous cette technique. Surtout quand on en a une grosse. Bref. Bref. Allez, go. Wesh. Wow. Ouais. Mais attends. Mais les gars, mais c'est des zinzins. Ouais. C'est incroyable. Wouhou. Wesh. Ça va? Waouh! Mais wesh, les meufs, elles sont violentes ici! Vas-y, il va tamponner que la blonde, tu vas voir! Oh! Waouh! Hey, c'est les meilleures auto-tamponneuses de ma vie! Wesh! Wesh! Arrête! Waouh! Allez hop, en Y! Hey, Francis! Oh! Ça va Francis? Ah monsieur prof de sport, vous allez... Oh! Wesh, c'est des malades! Attends mais on a failli me tuer, là tout le monde s'en fout. J'ai failli mourir là! Ça va se péta. Ouais, c'est qui veut se péta? Eh moi je... Eh, en un coup de poing c'est réglé moi. Moi je mets des KO. Vas-y, c'est où man? C'est quoi le problème? C'est toi. Ah ouais, y'a Amine et tout. Ah ouais, les gars, je me barre. Eh, faut qu'on fasse attention. Vas-y, on se protège. Je suis dans le gang des roues maintenant. Gang des roues? Ouais, avec Johnny. Ouais, mais attends, faut qu'on fasse attention, gros. Eh, des fois ça dégénère. Nous, on peut se prendre des balles perdues. Je te donne un conseil, fais genre que tu sais te battre. Mais je sais me battre. Ah oui, c'est vrai. Wesh. Eh, mais il est en train de le gazer. Wesh. Viens, on se barre. Barre-toi, cours. Il y a des mecs de gang. Cours. Trace. Cache-toi, Francis. C'est Francis, moi.
Aide-moi à me lever là, trou de. Monsieur le prof, dis-lui. Monsieur le prof, dis-lui. En fait, il y a des mecs de gang qui s'embrouillent avec des élèves. Mais j'ai un vrai gang. Attends, j'ai une idée. Eh, mais les gars, il y a le prof de physique. Il y a une arme, il y a une arme, il y a une arme. Reculez. Il y a une arme, il y a une arme. Reculez. C'est bon. J'ai peur, Bobby. C'est bon. Oh, wesh. Francis, il est. C'est nos manèges. C'est nos manèges. C'est nos manèges. Ils vont se refumer. Ça va dégénérer, gros. Dépêchez-vous là. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Oh bah, il court. Wesh, tu cours les mains levées, toi. Bah oui. Tu cours les... Mais tu cours vite, hein. Wesh, il t'arrive quoi, toi? C'est Mahali, poto, je sais pas... Wesh. Wesh, il t'arrive quoi, frère? Excuse-moi, j'ai cru que t'étais Aziz, vous avez la même chose. Ah, une... Mais gros, mais comment ça, gros? Je sais très bien que tu m'as mis un coup gratuit. Eh, c'est fini. Wesh. Eh, mais elle, t'arrive quoi? Eh, c'est... Aïe, arrêtez. Eh, c'est bon. Arrête, non. Aïe, j'ai pas défendu. Aïe, non. Oh, merde. T'as pas vomi. C'est la violence, c'est pas bon. Faut que j'apprenne à me battre, les gars. Ça va aller, ça va, BG? Ça va, Bobby? Ça va. Ça va. J'ai du sang, ça va, t'es sûr? Ça va, pas grave, j'ai l'habitude. Tu vas aller à l'infirmerie, d'accord? Comment ça, l'infirmerie? Tout le monde au bus et ceux qui ont besoin d'aller à l'infirmerie, vous irez. Ouais, viens voir vite fait, Bobby. La fête foraine n'est plus. Non, je vais aller. Tu veux que j'aille à l'infirmerie? Direction les bus, les gars, on rentre tous à l'école. On rentre. Suivez-moi si vous voulez vivre. Kaina, je voulais t'inviter faire putain, un truc gars, mais j'étais pas dans la merde. Désolé mon gars. Mais j'étais occupé, tu vois bien qu'il s'est passé. Je m'appelle Bobby, frère. Entre les élèves qui tombent par terre, ça c'est pas ça. Il me respecte. Ah, puis il m'appelle Bobby. Attends, mais je suis dans les problèmes en vrai. Hein. Moi, tu vois, t'es sous mon joug maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre toi et moi, tu vois, t'es mon petit dans cette école, tu comprends ça? Moi, je peux pas te voir comme ça par terre, c'est pas une manière d'être, ça. Tu dois être un bonhomme, normalement. Mais frérot, je suis un bonhomme. Le problème, c'est que là, ça a dégénéré. Ils étaient deux contre moi. Moi, je peux pas assurer un 2v1, c'est normal. La prochaine fois, tu m'appelles. On va y aller, pardon. Ouais. Viens là. Gros, t'as pas compris. À la fin de l'année, je serai le plus fort de l'école. On y va. Pourquoi à la fin de l'année? Mais parce que, frère, je suis en train de m'entraîner, ça prend du temps. Pourquoi tu me dis, t'es mon petit, si j'ai un problème, je t'appelle? Ouais, mais parce que t'es mon petit, c'est-à-dire si les gens te voient traîner avec moi, faut pas que les gens se disent, les mecs qui traînent avec moi, c'est des petits bouffons. Tu vois? T'as compris ça ou pas? Ok, j'ai compris. Là, je veux que tu fasses tes preuves, je veux que tu montres que t'es un vrai bonhomme. Ok. Tu veux que je fasse quoi? C'est quoi la mission? Quand on va rentrer à l'école, tu vas m'en choper un, t'as mal parlé ou je sais pas quoi, et tu vas lui montrer c'est quoi être un bonhomme. Je vais te regarder, tu vas lui parler, tu vas lui dire, bah t'as un problème toi? T'as un problème? Non, arrête. Arrête. Si. Mais... Si, tu vas me faire ça, Si. Et gratuitement? T'en choisis un, gratuitement, c'est comme ça que ça se passe, faut que t'instaures, faut que tu montes t'es qui. Allez, montez les jeunes. Ouais, ta gueule toi. Pardon, non, j'ai dit j'y vais, elle a de la gueule, c'était... Amine, en fait, il veut que je sois son sbire, j'ai trop le seum. Il va me faire faire de la merde et je vais être obligé de faire de la merde. Répète après moi, je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Voilà. Et toi, répète après moi. Vas-y, je répète après toi. Michou, c'est un bo... Quoi? Il est connu. Monsieur Bobby, putain de merde. Attention, hein. Michou, c'est celui qui avait les boîtes de nuit à Paris. Wesh, Bobby. HRP, non mais j'ai pas fait exprès, non les gars, j'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent avoir des soins? Parce que j'ai vu pas mal de gens se bagarrer. Est-ce que tout le monde va bien ou pas? Pas besoin de soins, pas besoin de soins. Moi j'en ai pris une belle, moi. J'en ai pris une belle. Si je vois... De quoi, elle? Qui a parlé anglais là? Wesh! Il l'a couché! Il y a l'école là, des élèves en rééducation, en réinsertion là. Ils m'ont appelé. Que quelqu'un a quelque chose à me dire ici. Si l'élève se dénonce, je pense que je peux être un peu plus clément. Il s'est passé quelque chose de grave là à la fête foraine. Vas-y, dénonce-toi mon ref. Monsieur le directeur. Hamid? Oui, je vais vous dire la vérité, tout part de Bobby. Non! On était plusieurs à être témoins, on était oui, là. C'est Bobby, il a raison. C'est Bobby. Arrêtez! Eh, hey, monsieur, c'est des menteurs! Ils aiment que me faire porter c'est le chapeau! C'est Bobby, c'est Bobby. On est plusieurs à le dire, on Bobby. Est plusieurs lui, à t'avoir c'est vu. Lui, monsieur. Mais attendez, je sais même pas de quelle histoire vous me parlez là! On a essayé de raisonner, monsieur, mais il a pas voulu comprendre. Eh, hey, monsieur, pas Bobby, je sais Bobby. Même pas de quelle histoire il me parle! Non, c'est pas bien, c'est pas Bobby, c'est pas bien de remettre tout sur lui à chaque fois. C'est pas lui, il était avec nous toute la soirée. Arrête, c'est lui. En fait, j'ai compris une chose, il faut qu'on soit plus sérieux, les élèves. Mais les gars, c'est toi qui dis ça! Le directeur, je suce. Mais tu suces tout le monde. Mais t'as déjà sucé, pas là. Il est là, il est pas là, vous pensez. Personne le balance. Personne le balance. Wesh. Oh. Wesh. Il se passe quoi là?
Oh, c'est là. Oh, il est foutu. Oh, les gars, il est foutu. Viens ici, viens, viens, viens. Ami, tu t'arrives quoi? Tu veux quoi, Bobby? Je te défends depuis tout à l'heure. T'as quoi, ma gueule? Mais frérot, t'es fou, toi. Mais elle parlait pas. Pourquoi t'accuses tout le temps, moi? Mais non, il y a deux Bobby dans la classe. Je parle de l'autre, ta série. Mais non. Je sais très bien que tu parlais pas de l'autre. Eh, je sais très bien que depuis le début, tu kiffes m'accuser. Eh, gros, si tu veux qu'on règle nos comptes, on va les régler. Ah ouais, tu veux parler comme ça? Eh, on entend ta voix stridente. Voilà, madame. Et toi, il t'arrive quoi aussi? Philippe, Bobby, vas-y, Bobby, rentre pas dans le jeu, Bobby. T'as vu ça? Voilà. Eh, frérot, c'était la voix trop, Bon, on va vous amener au dortoir. Vous pourrez choisir vos chambres et vos lits. Très bien. C'est mixte? Comment ça, c'est mixte? T'as trop la dalle, ton putain, je te jure. Eh, il a le cibre en feu, ce bâtard. Il a la gaule en On va faire ça dans le calme, s'il vous plaît. C'est les chambres, là? C'est votre chambre et votre mail. Avec ma copine, c'est pas. C'est quoi cette chambre? Bah, moi, je prends la chambre. Oh, Théma! Oh, le MacBook avec les mouchoirs à côté, suspect, hein. S'il vous plaît, allez-y, on va vous attribuer des chambres. Silence, s'il vous plaît, écoutez. Les gars, moi, j'ai envie d'être avec Francis. Francis Lalaine, vous êtes en chambre numéro 1, vous pouvez y aller. Oh, j'espère que je suis avec lui. Docteur numéro 1. Allez-y, Francis. Moi, les gars, il faut pas que je sois avec ni Billy, ni Amine, ni Nox. Parce que sinon, c'est... je suis dans la merde. Dortoir numéro 4, monsieur Junior Bobby. Ouais, j'y vais. Merci, monsieur. Attends, je suis dortoir numéro 4, je suis avec qui? Wesh! Mais attendez, mais c'est quoi cette chance? Wow! Mais... attends, mais c'est un ring. Mais il se passe quoi? Il se passe... il se passe quoi, les gars? Arrêtez! Eh, calmez-vous! Oh, il se passe quoi, là? Wesh! Mais t'as pété un plomb! Mais vous avez pété les plombs, les gars! Bobby, va chercher le surveillant champion, c'est pas agressé! Mais pourquoi vous lui avez pissé dessus? Mais vous êtes chelou, les gars! Ça te frappe, Bobby? Mais non, même pas! Mais je viens d'arriver, frère, ils se sont battus! Mais gros, ils lui ont pissé dessus! Ils lui ont pissé dessus? Mais Théma, ils lui ont pissé dessus! Ils m'ont pissé dessus, je dormais là, tu vois, je dormais, ils m'ont pissé dessus. Mais pourquoi tu dors par terre? Bah, je sais pas, j'ai... Mais n'importe quoi, t'as pas pissé. Mais tu t'allonges dans la pisse, là. Ah, vas-y, ça me dégoûte. C'est pour te montrer, c'est pour te montrer. C'est qui dans ce dortoir? C'est lui, là. Ah, c'est toi, tu dors là? Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est sans menton. On dort à deux, frérot. Ah ouais? Et j'avoue, t'as pas de menton? Moi, je te propose qu'on dort... Mais oui, y'a pas de menton. Pourquoi dans le même lit? Parce que l'idiot il est cassé, ils ont dit. Non, c'est mort, moi je vais dans le. Eh, il est cassé, j'y vais quand même. Le G, c'est vrai que t'as de l'herpès? Ouais, de l'herpès, c'est de l'acné. Je suis en train de le traiter avec un médicament spécial. Non, autour de la bouche, et t'as des boutons avec du pus. Oh les gars, je suis dans une merde là. Amine. Eh, je vais. Oh! Oh, attends! Putain, tu lui as plaqué son crâne sur le radiateur? Je me casse! Eh, Billy, c'est mon. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends, les gars, j'arrive pas à voir, mais il me fait quoi là? Oh, frérot! Oh, j'ai mal au crâne là! Eh, c'est qui a fait ça? C'est Hamid? Ouais, c'est lui. Eh, la tête d'homme, je vais pas me laisser faire et je vais aller le voir tout de suite, Hamid. Non, t'as bien raison, Eh, Hamid! Eh, les petits coups en tsum-tsum comme ça, c'est fini. Je t'ai rien fait, moi, je suis tombé dans les pommes là, je m'en rappelle plus de rien. Mais attends, pourquoi tu fermes les yeux? Ouvre les yeux! Parce que je me suis fait gazer à la fête foraine. Quoi? Hamid, la tête d'homme! Eh, le prochain truc qui se passe mal avec toi, je me laisserai plus faire. Qui aime bien, châtie bien, je t'aime trop, c'est pour ça que je te fais ça. Non, je t'aime trop aussi alors. Et là c'est toi, frérot, je te kiffe. Et monsieur, il y a des gens, ils ont pissé dans ma chambre. Bien, je vois que vous allez être la victime de l'année. Bah prenez sur vous, hein. Quoi? On va se défendre. Comment? Mais attendez, monsieur, c'est pas un conseil de professeur, ça? Allez, écoutez, assieds-vous. Dans mon cours de théâtre, vous allez apprendre à avoir du caractère. Vous allez apprendre à développer votre aura. Et comme ça, les gens ne s'en prendront plus à vous, parce qu'ils se ressentiront votre aura. Je veux bien montrer du caractère, etc., mais le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux sur moi, j'ai rien demandé, tout le temps... Comment? Dénoncez-les au bureau de surveillants. Dans la vie, il faut dénoncer les choses. Regardez, moi j'ai dénoncé au moins 4 fois Monsieur White aujourd'hui. Le problème, malheureusement, c'est que, à mon âge, si je dénonce et que ça se sait, bah, il va y avoir des répercussions, on le sait très bien. Il n'a pas tort. Et là, vous savez très bien qu'il y a du harcèlement autour de moi. Vous avez une amulette protectrice? Comment ça, une amulette protectrice? C'est quoi? Ça peut peut-être vous aider. Bah, je trouverai mon amulette. Mais vous inquiétez pas. Votre amulette. Mais par contre, je veux juste que vous compreniez que je vais
À force, je vais me forger un caractère, mais je veux pas que ça retombe sur moi. Ça ne va pas retomber sur vous, voyons. Quand vous avez du caractère, les gens vous respecteront. Ok, monsieur, c'est compris. Monsieur White. Il est où mon partenaire de... Il y a la fête dans le couloir, là. Eh, hey, il se passe quoi, là? Il y a une fête dans le couloir ou quoi? On va se doucher. Vous allez vous doucher tous ensemble? Bah oui. Tu veux te doucher avec non, moi? Non, moi, j'irai me doucher après, les gars. Mais non, viens te doucher avec nous, Bobby. Mais les gars, moi, en fait, vous avez pas compris. Je me douche tout nu. Bonne soirée. Mais nous aussi. Bah justement, j'ai envie d'être tout seul quand je suis nu. Bah non, on peut se faire. Pas avec vous, en tout cas, pas avec vous. T'as encore rien vu, t'inquiète pas. Mais j'ai envie de rien voir, les gars. Je vais me débrouiller un peu. Excusez-moi, bonjour, coucou. Je voulais pas vous déranger. Je suis là pour voir si vous manque quelque chose ou vous avez besoin de nettoyer. Monsieur le concierge, je peux vous donner un conseil. Je crois qu'on a un petit peu le même problème, vous et moi. Oh, comment ça? C'est-à-dire que vous êtes trop gentil, monsieur le concierge. C'est peut-être votre métier qui vous l'impose d'être un peu au service, de nettoyer tout ce qu'il faut, etc. Mais... Vous laissez pas marcher dessus, s'il vous plaît. Vous méritez mieux, c'est ce qu'il veut dire. Exactement. Fait. Vous êtes gentil, monsieur le concierge, avec nous, alors que les autres sont méchants. T'inquiète pas, on va avoir des cagoules. Quoi? On ne fait pas ça, c'est dangereux. On va avoir des cagoules dans pas longtemps. Comment ça, demande le directeur, on va le planter. Non. On va le planter. En fait, les gars, je vous explique. Il veut pas du mal. En fait, on fait un plan là parce que, vas-y, le directeur, il fait trop le mariole, tu vois. Et il manque trop de respect au concierge. Il le gifle devant tout le monde et tout, c'est inadmissible, tu vois. En plus, c'est un hedge, tu vois, genre, il a un certain âge. Du coup, on va avoir des cagoules et on va planter sa mère au directeur. Non, on va pas faire ça. Ça me touche hein, que vous vous inquiétez pour moi, mais du moins qu'il vous fait pas du mal, c'est l'essentiel. Les gars, entre nous, je vous dis la vérité. Mon objectif dans cette école, c'est quoi? Si je veux sucer le directeur, ok? C'est mon objectif ultime. pour en arriver là, les gars, il faut qu'il soit inconscient. Et là, je m'occupe de lui. Mais on va tous aller en prison avec toi. mais les gars, j'ai une question. Là, ouais. Entre nous, qui s'est déjà fait sucer par John? Non, pas moi. Comment est-ce possible de dire Je peux rien dire. Il y a quelqu'un qui a pas dit non. Bobby, je te pensais pas comme ça. Non, pas moi. Le frérot à ma gauche, il a pas dit non. Eh, tu fais quoi? Tu vas où? Bah, j'allais au billard. Au billard? T'as pas vu? Il y a un billard. Attends, mais viens, j'ai envie de voir ça. Ouais. C'est quoi cet endroit de fou? Ouais, c'est pour chill. Ouah, il y a le match. Mais attendez, les gars, mais pourquoi? Mais pourquoi personne nous a montré ça? Viens devant les queues. Prends ta queue. Ah ouais. Et mets-toi à côté de la table et joue. Bah attends, mais c'est... Oh! C'est incroyable! Oh! T'as mis la violette. C'est bien ou pas? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait le concierge? Salut les girls! Yo les girls! Monsieur le concierge! Ça va les girls? Vous savez, on a envie de fumer, comment on fait? Ouais, Tibé, il y a une soirée cave, t'es chaud? Il y a une soirée cave? Ouais, toi t'aimes ça, ces délires-là. Alors dit comme ça, non, mais vas-y. Donc en vrai, je sais pas où c'est, mais genre, venez, on y va. Vas-y, go. Vas-y, bah, tu sais que moi, je peux peut-être essayer de m'en renseigner. Hein. Vas-y, renseigne-toi. Vas-y, j'arrive. Eh, désolé, je peux vous couper dans la conversation? C'est vrai, c'est quoi? Ouais. Eh, Tupac, je peux parler avec toi 2 minutes? Vas-y, carré, vas-y, on parle. On vient de me parler d'un bail... Ouais, man, mais attends, mais c'est un bail chelou, j'ai l'impression. Ah, mais t'es, c'est pas toi qui organise. Non, man, ça va pas ou quoi? T'es malade. Je sais pas, moi, on m'a dit c'était toi. En fait, j'explique, il faut que t'essaies de te renseigner de ton côté, mais sois hyper discret, tu vois. Ok, mais je me renseigne avec qui? Avec les filles? Non, avec les mecs, parce qu'apparemment ça vient des mecs. Écoute, Amine a prévu une soirée dans une cave. Il veut faire, il veut tuer des gens, je sais pas quoi, un délire bizarre, sombre, man. Ah ouais. Tu penses c'est vrai ou c'est des conneries, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de trucs et tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Amine. Ah ouais, mais man, c'est pour ça qu'il faut essayer de se renseigner, tu vois, c'est chelou comme histoire. Ah, excusez-moi, mais vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Oui, je passe quoi en bas? Attendez, mais les gars, c'est quoi ce bordel? Regarde, ouais, mais c'est quoi ce bail? C'est un baiser. Mais attendez, mais les gars, c'est qui lui? C'est un pédophile, il veut rentrer. Mais arrêtez. Ouvre la porte. Mais je te jure, regardez-vous. Mais il a pété les plombs. Écartez-vous. Il a quoi? Tu veux quoi? Attention, concierge, tu vas te faire dire. Oh putain, je... C'est lui, attends, mais... Non. Eh, monsieur, faut aller. Eh, faut intervenir. C'est terrible, le concierge. Faut intervenir. Kefta, on... Voilà, le concierge. Eh, les filles, c'est les chambres des mecs, ici. Mais vous savez pourquoi il a pas voulu venir dans la douche tout à l'heure? Parce qu'il nous a dit il a une petite bite. Mais j'ai jamais dit ça. Pardon. Azef. Et toi, fais quelle taille? Attends, on parlera de ça plus tard. 2 centimètres. Eh, pourquoi je suis enfermé, là? Eh, Aziz, tu sais qu'on dit que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui en ont le moins. Ouf. Hein?
Hein, il m'a fait un bisou quand je le sentais. Il a fait un bisou. Attends, John, on peut parler deux secondes? Ouais, vas-y, viens. Tu fais quoi avec l'autre Bobby là? Tu veux faire des bails? Oui, bro, écoute-moi bien. Je viens de sucer à l'instant. Il est grave chelou, frère. Il est grave bizarre. Bertie, il a vraiment sucé. Sa bite, elle est tordue, elle va vers la gauche. Ouais, j'ai sucé, ouais, tu sais, ouais. Eh, Aziz, il nous a dit qu'il avait un sucre de 2 cm. Ah, un trou. Ouais. Ouais, elle est qui genre quand wesh, il t'arrive pas, frère. Mais calme-toi, gros. Wesh, calme-toi là, la tête de Wam. Wesh, ça va? Wesh, ça va? Les gars, je crois que j'ai plus de force que qu'avant. Je suis derrière, j'ai la queue de billard. Bien sûr. Dimanche, faut que je vous montre un truc. J'ai réussi à sortir en cachette et là, je me suis fait choper par un prof. Quoi, t'es sorti en cachette? Oui, je suis sorti en cachette et j'avais envie de chier et j'ai pu chier aux toilettes et du coup Toi tu fais jamais caca, tu fais jamais caca, faut que je vous présente une meuf dehors. Mais si on peut ressortir là, on peut aller la voir, je sais où elle est. Mais sinon faut attendre dimanche parce que je te jure elle ramène dans un endroit trop chelou. Et ça ramène à d'autres endroits de l'école. Ok. Vas-y, j'ai envie de chier moi. Ok, ouais. Les gars, je crois que ça va aller dodo. Je pense que là le truc d'Amine, je pense qu'on pourra peut-être y aller que dimanche en vrai. Mets-toi dans le lit, clique droit. Ah, attends, c'est coussé. Mais c'est magnifique, frérot.